J'étais dans le début de la vingtaine. J'ai eu un très bon deal pour un voyage avec mon ami Jess. Il me dit, man, on s'en va en Jamaïque. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de petite famille. C'est vraiment juste du monde sur le party. J'arrive en Jamaïque. On pose nos sacs. Et dans le hall d'entrée, il y avait comme un homme de 80 quelques années, à moitié nu, en marchette, qui se préparait pour sa soirée orgie romaine. Puis c'est là qu'on a compris qu'on n'était pas à bonne place. Ça s'appelait Hedonism, ce qui dans le monde de l'échangisme et des swingers est comme un temple. Sur les pistes de danse, il y avait des trucs vraiment explicites. On se faisait approcher par des gens, mais clairement, ils se rendaient compte qu'on n'était pas de la gang. Je sentais qu'on n'était comme pas invités. Puis on n'avait pas envie d'y être invités non plus.